Plop les gens, ici Zikino, pour la suite de Dungeons 3. Alors ça fait un bout de temps que je n'y ai pas joué, donc je suis pas sûr que ce soit le jeu où ce soit le plus important, entre ni le niveau histoire, ni le niveau gameplay. Ça reste un... pas un city builder, mais un donjon builder. Enfin, on gère à la fois le donjon et l'extérieur, mais c'est pas non plus très compliqué. Du coup, il y a au moins ce succès de la mission. Il y a deux missions que j'ai pas fait. Il y a celui-ci. La dernière fois, on avait fait la fin de Yeinia Outrefière, donc la sorcière, on l'avait vaincue. Et cette fois-ci, on va faire la mission suivante, du coup. Arme de géant à roulette fixe. Termitière était en ruine. Mais le mal n'avait pas encore terminé sa tournée internationale de la destruction. Son prochain spectacle devait se produire dans la petite ville de Sérénité. Le mal débarqua non loin d'elle. Et donc apparemment, c'est le village où on va avoir des trébuchets. Enfin, on va avoir où affronter, je ne sais pas trop. Alors, terminer la mission, comme d'hab. Comme une crêpe, tuer 50 héros par bombardement de catapultes. Ça a l'air d'être plus des... Ah, si, si. Non, c'est vrai, c'est des catapultes, j'ai rien dit. Par bombardement de catapultes dans la mission arme de jet à roulette fixe. 50 héros, ok. Ça sert aussi à donner l'élan aux pigeons. Capturer toutes les catapultes dans arme de jet en moins de 30 minutes. D'accord. Comme d'habitude, on se met en infernal et on lance tout de suite. Oui, prendre les zones de malfaisance tôt, c'est intéressant. Merci, je m'en doutais. Le mal quitta Termitière pour débarquer non loin de la tranquille et paisible ville de Sérénité. Sérénité était une gentille petite ville, principalement connue pour ses florissantes exportations d'armes. Et les tranquilles et paisibles habitants de Sérénité n'éprouvaient aucun cas de conscience à fournir aux autres des outils avec lesquels ils pourraient s'entretuer tout en vivant eux-mêmes dans la paix et l'harmonie. Ils étaient prêts à fournir les armées du mal aussi, si elles en avaient les moyens. Carrément. Mais cela allait causer leur perte, car le mal n'avait aucune intention de laisser quiconque fournir des armes à ses ennemis. Et c'est ainsi que le destin de Sérénité fut scellé. Hein ? Mais il y a une armée à Sérénité qui n'a pas l'air particulièrement sereine. On risque d'avoir des problèmes. Cela dit, il y avait aussi des armureries à Sérénité, avec des machines de siège en stock. Cela pourrait peut-être servir à réduire la taille de leur armée. Excellente idée. Allez, chien galeux, capturez ces armureries et nous donnerons à ces bonnes gens de Sérénité une démonstration de la qualité de leur production. Du marketing ciblé. Comment on joue? Déjà on se met en QWERTY, voilà, ça marche mieux. Ici, il y a une veine de... d'or. Donc la porte, l'une des portes est ici. Avec d'ailleurs pas mal de mana. Ici c'est quoi? C'est pour c'est pour que les démons réapparaissent, très bien. Là, il y a une autre porte, donc qui vont d'un côté et de l'autre du champ de bataille. La ville est au milieu, il y a... ok. Ici. On va faire comme ça pour le moment. Ça m'embête un peu parce que on fait exprès d'avoir plein d'or pas loin du chemin, du coup j'en perds deux. Ou je peux en perdre juste un si je prends celui-ci. Mais ça serait bien d'exploiter le filon. Ici c'est quoi? C'est un cimetière, très bien. Tac. J'ai personne pour le moment. D'accord.
J'ai... du coup, j'ai oublié les touches, donc c'était N pour les créatures, ok. Ça doit être M pour voir mon armée. R pour les constructions de salles, très bien. Donc je vais pas faire de horde vu qu'ils m'en proposent pas de base. Par contre, j'aime beaucoup les démons. Donc on va en faire. On va déjà préparer à ce qu'ils soient plus nombreux. Tac. Et on va en recruter, tout simplement. Une banshee de une. J'ai combien de sous? Ouais, 2. Voilà, ça me paraît bien ça. C'était comment? C'était F2 pour tout prendre. Ctrl 1 pour mettre dans le groupe 1. Et ici, ça me paraît mieux que là-haut parce que là, il va falloir passer devant le champ, dans le camp. Les habitants de Sérénité s'inquiétaient. Marchands d'armes, ils avaient l'habitude de négocier avec les créatures les plus malfaisantes. Mais avoir le mal en personne devant leur porte était déconcertant. Ils envoyèrent donc une troupe pour persuader gentiment les nouveaux arrivants de s'en aller. Évidemment, ils ne savaient pas quelle terrible machine à tuer le mal avait déjà construite dans son donjon. Voilà. Moi, j'aime... Ça me met peut-être pas hyper bien, parce que j'ai l'impression que ça lance, en fait... les attaques des gentils. Et j'aime bien faire une sortie rapide pour voilà pour prendre une zone de malfaisance. Dirigez-moi vers l'ennemi. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Tac, ici là et ici. Pour les recherches, c'était quoi? C'était V, d'accord. Très, très peu orthodoxe. Donc normalement, les zombies et les démons, enfin tout ce qui vit dans le cimetière et le vortex, du coup, réapparaissent. Donc là, s'ils meurent, c'est pas grave, entre guillemets, parce qu'ils vont réapparaître tout seuls. Au bout d'un certain temps. Temps. Pour le cimetière, c'est au bout d'un certain temps. Pour les démons, il faut qu'ils aient du mana. Ce qui me fait penser... Alors ça, c'est quoi? Bonus de dégâts. Bonus de dégâts, très bien. Toi, ça me va bien si tu le prends. Voilà. Ici, on va faire justement la zone pour qu'ils puissent... tac. La Arcanium, voilà. Faut que je retrouve mes mots, faut que je retrouve les mots. Jour de paix. Et l'Arcanium, c'est du 3x3. 2, 3. Voilà. Comme ça, au moins, je peux en mettre 2 en longueur. Et il y a un petit chemin à côté. Même si le chemin n'est pas obligatoire. On s'en souvient. Ici. On a dit que c'était une trésorerie. J'ai des zombies, très bien. Je vais peut-être les laisser à l'intérieur. Et ce serait bien. J'aimais bien avoir la prison. J'aimais bien avoir. Simple, l'ATP elle est très utile, mais peut-être pas tout de suite. Tout de suite, la crypte c'est quoi? Ça, je connais pas. La crypte prouve que l'on peut tromper la mort, du moins en ce qui concerne vos créatures de la horde et vos héros convertis. Ils sont maintenus au frais dans la crypte et ressuscités grâce au travail exemplaire des morts vivants. D'accord, donc ça fait que les morts vivants, enfin, les tout eux là, toute la horde peut revivre. C'est intéressant, mais peut-être pas tout de suite. Chambre de relaxation, c'est pas intéressant tout de suite. Eux, ils sont un poil plus tanky. Je préférais les succubes.
pas prendre tout de suite, pas agrandir tout de suite les poulets. Alors ici, on va agrandir quand même une taille. Ah mince, il faut forcément des pièces, d'accord. J'avais oublié ce détail. Comme ça, ça devrait aller. Pour mettre la prison ici. Je vais enlever ça parce que je sais pas encore quelle taille ça fait. Je vais encore me tomber sur des pièces immenses à améliorer. Ici, du coup, ils ont creusé la dernière ligne. Je vais peut-être refaire une excursion là. Il m'en manque pas un. 1, 2. Ok. Et ils sont en train d'arriver exactement quand je sors, évidemment, toujours. V, et on améliore Talia parce qu'elle est OP. Quand elle est améliorée, quand elle l'est pas. Preuve, elle a pris très cher pour le moment. Éviter qu'elle meure. Je pense qu'on peut prendre quand même ce petit camp. Enfin, c'est pas un camp, c'est une avancée de gens, une petite troupette en avance. Ça me permettra de me bouger plus librement plus tard sur la carte, dans le monde normal. Voilà. Donc maintenant vous pouvez retourner récupérer votre santé. Ce qu'il me faut. Donc ici on a dit prison. Voilà, là, je peux agrandir juste ici. Prison. Prison, ça va faire ça. On va la mettre là aussi. Ça va juste. Je sais même pas si ça va améliorer grand chose. Si je fais ça, peut-être. Sinon, non. Je pense. Prison. Ok, ça me va. Il faut, on a dit... Non, c'est loin ça. Ici, on est loin. On va se mettre ici. Il va nous falloir tout ce qu'il faut. Tout le... Il va falloir qu'on débloque la horde déjà. 500 pièces d'or, ça va. Il va falloir. On va peut-être éviter de prendre les nagas pour une fois. Tout ce qu'on veut en fait, c'est des. C'est des gobelins ou des. Et ou. Des pots de fer, mais des trolls quoi. Si je regarde, ça doit être N. Juste un orc et un gobelin, ça m'irait totalement. Je leur ai mis un grand emplacement parce que moi j'aime bien faire des grands emplacements. J'explore juste ici, voir si on peut mettre l'atelier derrière. Parce que ce que je veux, c'est avoir une grotte de bricoleurs.
pouvoir faire des pièges. Et je suis en train de me rappeler que c'est pas ça que j'ai besoin pour pouvoir faire des... Pour pouvoir faire les boîtes. Pour pouvoir faire les boîtes, ce que j'ai besoin, c'est les... Comment ça s'appelle ? C'est que les grouillots travaillent. Et les gars de la Horde peuvent aussi, mais c'est surtout les grouillots. C'est pas grave, du coup, je... quand même mettre ici la zone où ils vont faire les pièges, ça servira toujours. Et du coup les grouillots je vais les faire travailler ici dans l'atelier. Je sais pas si je peux mettre les deux ou s'ils vont me dire il n'y a pas assez de place. De toute façon, si j'en ai un peu besoin d'en avoir beaucoup pour. Mais j'en ai besoin parce que je les prévois pas en avance en fait. Là, si j'ai un stock de 30, ça devrait être bien. Ça devrait. On va voir. Voilà. Là, on va les laisser arriver et on sortira juste après. Tac, tac, comme ça, en plus, vu qu'ils vont mourir dans mon sous-sol, dans mon donjon, ils vont être ramenés dans la prison. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait aussi la crypte. Et il faut deux créatures de plus. Non, N. Un orc et un gobelin, on va faire. Une grotte du bricoleur ici. Avec. Du coup, j'ai pas ça. Pas encore. Défendez le cœur de donjon. Voilà. L'armée de Sérénité était d'une taille indécente. Leur chef décida d'en profiter pour lancer une expédition punitive contre le donjon du mal. Naturellement, ils n'avaient pas la moindre chance. De plus, les lâches défenseurs de Sérénité envoyèrent une patrouille surarmée pour semer le chaos dans le surmonde. Uniquement parmi les créatures du mal, évidemment. Très bien. Je vois qu'on a peur de moi. C'était où, V? Non, ça va pas être le cœur de mon armée, j'en ai pas besoin. Par contre, la crypte, je vais en avoir besoin. Vu que j'espère faire revivre les gars de la Horde. 3 par 3. Manuel. Oui, manuel, c'est-à-dire que c'est moi qui le place. Ah bah d'accord. C'était une pièce ici. Très bien, ça me va. C'est juste 75 or. Oui, c'est pas une mine d'or à l'infini. Des ennemis se trouvent dans votre... La novice en focus. Il va falloir que je débloque aussi les... comment ça s'appelle déjà ? Hey, pas les pattes ! Il va falloir que je débloque les succubes. Si je veux pouvoir transformer certains... héros ennemis en héros alliés, héros du bien en héros du mal, aventurier en héros, je sais plus exactement les termes à utiliser, mais vous m'avez compris. Donc
Il m'en faut 8. Là, il va m'en falloir 8. Et là, il m'en faut 8. Punaise. Travaille plus vite. S'il te plaît, on en a que 5. Jour de paix. Donc là, on est en train de perdre des dons, mais c'est normal. Toi, t'as pas de vie. On peut difficilement sortir là tout de suite. C'est quoi ça? Mais ils font juste une ronde? Non. Construire un réanimatique. C'est ça. Réanimatique, c'est très bien. C'est dans les trucs que je visais. Tac, voilà. V, je voulais une succube avec sa chambre de torture. Pour le moment, on peut pas avoir la chambre de torture. Le mal avait bâti une crypte. Les morts vivants pourraient y ranimer toutes les créatures de la horde qui mordraient la poussière. Cela pousserait probablement le mal dispendieux à gaspiller encore plus impunément ces créatures. Ok, oui. Parce que c'est pas... Ils sont nuls à crever, hein. Pour rester à peu près poli. Non, c'est pas la priorité. La priorité, c'est quand même de poser un hôtel de mana. D'ailleurs, pendant que j'y pense... Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Il me manque une boîte. Ils arrivent par le nord cette fois. Allez vite. Fais-moi une boîte que... Enfin de toute façon non. Non, faut d'abord qu'il y ait la grotte du bricoleur là. Ah oui, du coup j'ai quand même les archers, c'est bien ça. J'avais oublié. Toi, faut que tu sois à distance. Pire à distance ici. Par contre, si vous pouvez aider, ça m'arrange. Le mal était pris au dépourvu. Apparemment, il avait oublié qu'il y avait à Sérénité des soldats capables de réduire son donjon en cendres à tout instant. Pour les en empêcher, il pourrait être utile de capturer les armureries et d'utiliser les armes de siège qui s'y trouvaient. Oui, je sais. J'avoue que c'est pas l'objectif immédiat. Voilà. Parce que bref, pour le moment, il faut se régénérer déjà. Tout le monde n'est pas au top de sa vie. C'est combien par combien déjà cette salle? Ah non, je l'ai pas encore. Les pains là, c'est 200. Non. On va commencer par celle-là, du coup. Et du coup, celle-là, c'est 3 par 3 automatique. Donc si je fais une salle de 3 par 6, ça, normalement... Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Peut-être pas ici, en fait. On va voir comment ça se passe. Mais ouais. Ici, c'est bel et bien un endroit avec un fion d'or. Voilà, à peine les démons régénérés qu'il y a déjà des zombies, des aventuriers. Oh, les squelettes, les zombies, j'ai besoin de vous. Hein. Ok, toi, retourne. Toi, viens. Ils sont où? Mince, trop tard. Du coup, celle des coffres ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6 par 3. Je pourrais avoir deux succubes qui travaillent simultanément. Pour avoir des succubes, il va nous falloir avoir deux places de plus, il me semble. 7 sur 9, donc c'est bien ça. Et les commander tout simplement. On va faire on va prendre tout le monde. Non. Pas vous. Voilà. Toutes les vraies unités. Et on va sortir de ce côté-ci. On va essayer de récupérer cette île de malfaisance. Ah. Bon, on regardera ça après. Tac. Attaquer ici aussi dès que possible. Séjour de paix. D'accord. Donc il y a tout le monde qui va crever chez moi, mais c'est pas grave. On va vérifier si lui meurt vraiment ou s'il va être transporté pour se faire ressusciter là dans la crypte. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Ah d'accord, super. Du coup, urgence, tac, les sorts c'était quoi? C, oui c'est comme ça. Tac. Je reviendrai. Le cœur de donjon se fait attaquer. Et c'est un peu la panique, on va prendre tous les sorts. Non. C'est bien tout ce qu'il me faut du coup pour avoir la pluie de météores en intérieur, logique. Voilà. Ici, j'ai vu qu'on avait récupéré un bonus d'armure. Donc ils sont bien en train de ramener le... Quoique non, on va pas lui donner à lui. On va le garder pour le moment. On va se faire une araignée là. L'araignée démon que j'ai pas encore faite. Voilà. Ah, j'ai les amis un peu loin de... J'avais oublié que c'était soit en prison, soit chez les succubes. Du coup, c'est un peu loin l'un de l'autre. C'est pas grave. Ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire. Voilà. Alors. On a 8 boîtes à outils. On va le faire à l'envers. Non, pas ça. Ça. On va le faire un peu à l'envers. Parce qu'ici aussi, il en faut 8, c'est ça ? Les ennemis se sont introduits dans le donjon. Tac, 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 les magiciens d'abord, toujours. Là, je n'ai plus qu'une place. Non, N. Je peux pas encore. Je vais faire une araignée comme ça, elle pourra tanker un peu pour tout le monde.
là, je m'en fiche un peu plus qu'avant de cet écran-là, où on voit la vie de tout le monde, vu que toutes mes unités sont censées pouvoir réapparaître toutes seules. Après, c'est mieux si par exemple, les démons ne meurent pas, parce qu'ils prennent du mana pour réapparaître, et j'en ai plus beaucoup, du tout même. Il faut toujours au moins un démon pour pouvoir faire réapparaître des démons. Ou voilà, une zone de mana pour faire réapparaître un démon pour... Ça lui fait du bien en plus. Elle tape les gens, elle est en train de manger... Non, elle a de plus en plus faim. Mais elle tape les gens, ça la régène. Super. Ou alors c'est qu'ils prennent le mana directement dans la zone, même quand ils sont pas en... en train de dormir, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais plus, je suis perdu. Je vais agrandir ici. Je vais faire en sorte qu'il y ait plus de poulets. Non. Si. Il fallait que je prenne ça. Les poulets, on a dit qu'on agrandissait la salle. Voilà. Et oui, lui, on le fait apparaître et on lui donne... Alors il passait où? On lui donne de l'armure. On prend, on le rajoute au groupe. On se fait attaquer, donc c'est pas le moment de sortir. Des ennemis se trouvent dans votre groupe. Par contre ici... Je vais d'abord faire le truc de résurrection. Mais après, ça serait bien d'avoir un deuxième camp qui fait du mana. Parce que j'en ai pas des masses. C'est jour de paix. Alors, c'est bien de tanker, mais si tu tankes quand il n'y a personne qui est là pour faire les dégâts, ça peut être inutile. Tout de suite, même si c'est pendant le combat, faire le réanimatique, ce qui est censé faire l'objectif bonus dès qu'ils l'auront construit, excusez-moi. Voilà. Les poulets maintenant, j'en ai un poil plus, c'est bon, c'est tout bon, je crois. Je peux peut-être penser à faire une porte ici pour augmenter juste de 10% là. L'efficacité du travail, c'est très important quand même. Ensuite, Balrog, c'est vrai que j'en ai pas fait encore. Dans votre donjon. Bon, en fait, là, les ennemis, qu'est-ce que j'ai peu faire d'autre? Ça peut-être prendre juste un cinquième brouillot et voilà, Talia, le prochain niveau. Non, le prochain niveau est invincible parce que tu vas créer des ombres qui sont elles invincibles, enfin que tu récupères assez régulièrement. Tac. Je l'ai posé n'importe où, il y a eu un pilier qui s'est apparu pour le stocker. Du coup, effectivement, ils sont, même s'ils sont morts dehors, ils ont été ramenés ici. Normalement, eux, je les emmène plus dehors. Voilà. Encore, il leur manque un peu de PV encore. C'est assez embêtant parce qu'ils se font pas soigner dehors de mémoire. Voilà. Du coup, j'ai de quoi rajouter une autre porte ici parce que lui sera très actif aussi. Là, les deux côtés sont impactés, du coup c'est intéressant. Là aussi, vu que j'ai beaucoup de démons, je peux pas en mettre une là de porte.
Ah, c'est que j'ai plus de boîte à outils. Très bien, très bien. Tout le monde est full life. On peut sortir. Donc on retourne pour faire exactement le même objectif. Ah non, elle est pas trop dans son assiette. Du coup, on va la laisser là, parce qu'il me semble en plus qu'il faut quelqu'un de type qui vit dans le cimetière pour... Se sentant poète, car il était désormais le mal armé, le mal avait découvert une armurerie. Il décida de la capturer sur le champ. Punaise, forcément. Le groupe de distance qui se fait aggro au corps à corps. Quand je tourne le dos. Je voulais pas aggro ça en plus. Au moins ils seront plus aggro. Mais... Là, le groupe, on l'a détruit, c'est bon. C'est quoi ça? Bonus de dégâts normal? Ouais, prends. Ouais. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Et on va faire un sort ici, qui est censé être un endroit à peu près safe. Pour que tout le monde rentre dans le donjon. C'est où? C'est là. Tac. Et j'aimerais bien regarder à quoi ça ressemble de ressusciter un orc et un gobelin. Donc on va rester sous-sol un petit peu. Encore. Et est-ce qu'il y a d'autres salles à creuser ou ce genre de truc? Non, j'ai pas assez de boîtes. Je travaille plus vite. Donc il y a une banshee qui arrive. Qui tourne. Dans le vide. Encore un groupe qui... En fait, il y a un groupe qui vient faire un tour et il faut juste éviter d'être sur leur chemin pendant qu'ils y sont. Ça, elle est en train de travailler, non? Non. Si, peut-être. Je sais pas. Cette... Allez, travaille. Très bien, on se fait attaquer par en bas. Et moi j'ai pas regardé ça, mais ça a pas l'air d'être très efficace là. Ah voilà. Les ennemis se sont introduits dans le donjon. C'est tout, on les met dans un liquide visqueux vert et ils sont ressuscités. Avec un point de vie. Faut qu'ils aillent dormir et tout en plus. Pas très très efficace, mais bon. C'est mieux qu'avant. Il va dormir. Avec ton PV que ça va être mieux. Toi t'as plus de vie, tu te mets derrière. Toi tu peux venir, toi aussi, s'il te plaît. Voilà, du coup le fracasseur il... Du coup tous mes démons de base sont morts le temps que tout le monde arrive.
Yanad, tiens, la branchouille. Sympa son nom de famille. La branchouille. Voilà. Du coup maintenant. Soit il est ressuscité lui aussi, ok. Ok, très bien. Ici, on peut avoir un deuxième outil. Mon deuxième hôtel de mana, voilà. C'est un peu grand au final, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais mais non. Comment on fait? On fait 1. Et on veut qu'il reste à l'intérieur. Du coup on fait ça. Ça doit être bien. Alors est-ce qu'ils vont. Est-ce qu'ils font le tour? Ok, il y en a certains qui rentrent dans mon donjon, donc on va pas. On va pas attaquer en même temps. Certains eux sont en train de finir le tour par contre. Donc... On les laisse faire et là. Là, ça devrait être bon. Voilà. Du coup, on ressort. Du coup, si je ressors tout de suite, ils sont assez affaiblis. C'est pas grave. Toi, tu peux rentrer. T'as vraiment pas assez de PV. Le bien périra. Et ils vont venir dans mon donjon. D'ailleurs, les ennemis se trouvent dans votre donjon. Voilà. Ok, oui, t'es plus forte maintenant. Tu vas tanker beaucoup plus et tu as ton sort. Avait capturé l'armurerie est et s'était emparé d'une catapulte. Nous pouvons répandre le chaos et la destruction. Bon, mais comment ça marche ce truc? C'était une de ces nouvelles catapultes de type pointé et cliqué, qui peut faire feu automatiquement sans servant. Très pratique, on peut dire. Appuyez simplement sur la commande appropriée, sélectionnez la cible, validez, et c'est parti. Ok. C'est jour de paix. Ça n'a pas l'air compliqué, dit comme ça, on va voir. On va tester. Hein. Donc, bombardement, c'est la fête. Feu à volonté, utilisez les catapultes pour bombarder une zone avec des projectiles. Vous pouvez sélectionner une zone par catapulte, utiliser clic, sélectionner une cible qui n'est pas cachée par le brouillard de guerre. Ah ! Et confirmer avec clic. Là, je peux... Et là, je peux plus, quoi. Y en a qui ont faim. Normalement, c'est bon, ça va rip-hop assez vite. C'est limite, mais ça devrait aller. Au pire, je casse ce mur, là. Tout ça, et ça fait un énorme poulailler.
et ils m'embêteront plus jamais. Je suis un petit peu bloqué dans mes tailles, là, bâtiment. C'est un peu étrange, j'ai pas l'habitude. Il dort où ? Ils dorment où les héros ? Je sais plus. Parce qu'il faudrait bien qu'elle se soigne, quoi. Bref. On va aller attaquer en bas là. Par ici. Comme ça on aura toutes les zones de malfaisance et on n'aura plus qu'à prendre les catapultes. Bon alors Ah, ils nous attaquent, hein. Ils sont en mode vengeance, vous nous avez tués dans les épisodes précédents, dans les missions d'avant. Ok, les deux ours par contre... Ah oui, la catapulte elle fait des dégâts. Elle se recharge en combien de temps? Si. Attends, tu peux. Ouais, c'est bon. Tu veux pas le faire ton sort? Recharger encore. Ah, c'est pas grave. C'est un oiseau, c'est un avion. Non, c'est un tir mortel de catapulte. Le tir de catapulte écrabouilla les défenseurs de sérénité avec un bruit. Et je suis en train de me faire attaquer. Cœur de donjon. Très bien. Ça devrait mieux se passer. En même temps, il n'y a quasiment pas de défense quand j'ai mon armée dehors. De leur laisser le temps de faire réapparaître la horde, ma mini horde du mana. Ce serait bien d'en avoir beaucoup plus en termes de stockage qu'autre chose. Voilà, des ennemis se trouvent dans votre donjon. Putain, c'est limite quand même. Ah non, c'était là. Et emporte la victoire. Mince. Je les ai aperçus ici, mais en fait, c'est ceux qui font tout le tour là. Du coup, j'aurais dû tirer là. Ouais, même là, c'est pas au bon endroit. J'aurais carrément dû tirer ici quand je les ai vus là. Quoi. Ouais, elle est lente à tirer et tout. Le mal a laissé Talia mourir. Mais elle pourrait être ressuscitée. Moyennant paiement. Oui, bon, moyennant. Moyennant de moyenner, on va attendre. Je crois qu'il y a un bouton pour le ressusciter rapidement, voilà.
Et sinon, elle va réapparaître toute seule. Elle va juste prendre beaucoup de temps. Jour de paix. Genre là, on les voit là, du coup, faut tirer ici, quoi, c'est ça ? Malheureusement, la catapulte n'était pas encore rechargée et prête à tirer. Le mâle impatient allait devoir se montrer patient. Ah ouais, le nombre de canonniers. Et là, non, parce que c'est plus proche. Oh là là, la misère. À viser, c'est la misère. Ça dépend vraiment de la distance, c'est affreux. Allez, on a la moitié, c'est bien. Réduction de salaire. Allez, prends-toi une petite réduction de salaire, toi. Et truc qu'on peut faire par contre. Je crois que c'est. C'est leur mettre une chambre de relaxation pour qu'ils aillent au-dessus du niveau 3. C'est 2 par 2 et c'est exactement ce que j'ai fait. 4 zones. 4 alors qu'ils sont 6. J'espère que c'est suffisant. Je ne me souviens plus bien s'il fallait l'équivalent de 1 par personne ou pas. Dans votre donjon. Des araignées ont envahi le donjon. Super. Ça fera une grande salle des bains, c'est pas grave. On va prendre tout ça carrément. Ça m'embête, c'est immense pour cette salle quand même. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ah, la salle de conférence. Ça, c'est mieux. C'est mieux de mettre la salle de conférence dans une salle immense comme ça. Et la salle des bains. Ça là. Alors, celle des conférences. Voilà. Ça me fait penser que j'ai toujours pas mis de piège. Voilà, c'est fait. Et ici, on a dit salle de relaxation. Du coup, grâce à cette chambre, maintenant... Là, maintenant... On peut chercher, réduire le délai de récupération de enjôlement, ça c'est très bien. Pardon. La régène, tout ça on s'en fiche. Ici, il permet de stocker un dindon de plus pour chaque tuile de ferme. Est-ce que je l'ai augmenté ou pas encore? Je n'ai pas augmenté. Donc on va améliorer les dindons. Grâce à la nourriture génétiquement modifiée, de nouveaux dindons apparaissent plus rapidement et leur croissance est accélérée. Et on va faire aussi ça comme ça. Les dindons ne sont pas gênés. Ok, bah cool si tu peux. Cool, 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 périssez, vous allez revenir ici de façon normalement. Mais héros. C'est pas parce que vous n'êtes utilisé qu'une seule fois par le bien que vous n'allez servir qu'une seule fois la cause du mal, voyons. Voyons, voyons.
passe comment? Ça se passe correctement après. Ça aurait été mieux que vous soyez là. Vous avez grandi la salle, non, pas chambre de relaxation, conférence. Normalement, ça devrait me faire 1, 2, voire 3. Cellule d'études en plus. Succube en sorceleuse, succube en sorceleuse. Là, normalement, ça laisse la diagonale, on est d'accord. Oui. Non. Jour de paix. Non, ça en rajoute pas. 1, 2, 3. Ah mince, 1, 2. Du coup, il faut toute la colonne pour que ça en rajoute. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et du coup, 9. Ah, mais ça fait pas 3 cases de large. Il faudrait que j'agrandisse ici. Si, c'est bon, ça fait 3-4. Pile poil. Conférence. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Voilà. Ça, vous avancez, c'est très bien. Permet de stocker un dindon en plus. Ouais, mais stocker des dindons en plus, c'est pas forcément. Davantage de créatures. Deux meutes, c'est cool. Ça, c'est quoi? Les ressuscités avec la crypte récupèrent toute leur énergie vitale. Ça peut être cool. J'ai plus de sous. J'ai plus de sous de cette toute façon. Talia n'est pas très résistante. La voilà qui vient encore de mourir. Super, bah va falloir que je l'améliore, quoique, c'est surtout qu'elle a dû tanker toute seule. Dans le donjon. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ici j'ai pas mis de porte alors que les gens peuvent vouloir attaquer par là. Là, je les ai vus ici, on avait dit par là, je crois. Tire de catapulte, vole et emporte la victoire. Si au moins s'en tue un ou deux, parfait. Un tout le monde. Tir, récompensé par des hurlements et des os qui craquent. Excellent. Excellent. Ça c'est bon. Trésorerie. Faut que j'explore et j'ai plus beaucoup de cash. Faut que j'explore un petit peu plus le donjon.
C'est un oiseau ? C'est un avion ? Non, c'est un tir mortel de catapulte. Ouais, et là, par contre, ça a tiré instantanément. On va aller prendre la zone au milieu. Je peux recruter quelqu'un, non. Du coup, il faut que je recrute une Banshee de plus. D'accord, on va grandir ça. Et ici, on va se faire une pièce, une deuxième cimetière. C'est quoi? Qualité de la vie augmente un peu l'énergie vitale de la créature, d'accord. Talia qui arrête pas de crever. Des araignées ont envahi le donjon. Tire de catapulte, folle, évidemment. Et emporte la victoire. C'est jour de paix. Regarde ça quand même. Ok, la partie ça va être ma réserve d'or principale. Le cœur de donjon se fait attaquer. Tac, voilà, pièce comme ça. Par contre, oui, c'est. Tac, mettez or. Et on booste les gens ici, ça devrait le faire. Donc j'ai un tir de catapulte, mais on voit plus personne sur la carte. Et ben, le cœur de donjon se fait attaquer. Ah, il y a les deux. Trésorerie, mais on commence par faire une trésorerie ici. Après, on agrandit jusque là. D'abord aux endroits proches de... proches de ce qui nous intéresse.
on va peut-être essayer d'avoir un... Non, c'est bon. Je croyais qu'il y avait eu... C'est eux qui faisaient le... Ça doit être eux qui faisaient les séismes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, il vient ici. Catapulte folle et emporte la victoire. Prendre un bain, mais il n'y a pas assez de gens dans le bassin. Écrabouilla les défenseurs de sérénité avec un juteux. À cause du fait que les caméras changent, on n'a pas bien vu, mais je les ai ralentis juste ce qu'il fallait du coup. Du coup, il me manque un bain. Est-ce que c'est parce que j'ai plus de mana? Non, j'ai du mana. Donc c'est bien en fonction du nombre de gens. Ou alors c'est juste ça qu'il fallait. Ramener du mana là-dedans. Ok, très bien. Et ici aussi, c'est de la trésorerie. Voilà. Ici, on voulait agrandir d'abord le cimetière. Et aussi la prison, je crois. Voilà. C'était 30%, c'est vraiment pas fort. C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est un tir mortel de catapulte. On verra pas, mais... Le tir de catapulte écrabouilla les défenseurs de sérénité avec un... juteux. Voilà. On tire sur les unités... Tant qu'elles sont pas dans le brouillard de guerre, comme ça, quand elles le sont, elles prennent quand même les dégâts. Puisqu'elles sont immobiles. Ah, ils veulent empêcher leur pote que... Ils veulent arrêter que leur pote soit prisonnier. Oui, tout à l'heure, j'ai recruté une nouvelle banshee pour qu'elle travaille ici. Même si j'emmène tout le monde devant. Là, du coup, il y a un peu de place pour elle et le deuxième groupe de zombies que j'ai récupéré grâce au parchemin d'ailleurs. Ce qui me fait penser à... Non, ça je m'en fiche, j'ai plus de héros. Quoique, peut-être. Oula, des instruments de torture plus pédagogiques augmentent les chances de coercion de 100%, c'était très bien. Et j'ai pas de thunes. Il n'y a pas un truc pour la thune. La portée de 2. Ah, ça c'est bien ça. Faire qu'il soit réanimé plus vite. Ah, que la portée des banshees augmente, oui, elles sont un peu trop au corps à corps. Voilà, et là j'ai vraiment plus de thunes.
tir de catapulte, vole et emporte la victoire. Un magnifique tir. Pas mal. Récompensé par des hurlements et des os qui craquent. Excellent. Pas mal, pas mal. Du coup, nous, ce qu'on voulait faire, en fait, il y a 50 ans, c'est attaquer cette position. Récupérer cette position même. Bonus d'armure épique. D'accord. Le mâle avait capturé une armurerie et obtenu une arme de siège. Ah, excellent. Nous devrions l'essayer sur le terrain dès que possible. Le mâle avait maintenant deux catapultes. Deux zones pourraient donc être, disons, philanthropées en même temps. Magnifique, nous devrions essayer. C'était quoi la chanson déjà ? Allumez le feu ! La deuxième, elle a loupé. C'est pas grave. Quoique. T'as qui quoi ce coup-là ? Et vous allez défendre. Ils ont déjà disparu. Oui, toi, tu reviens là, s'il te plaît. Spirit Tenio 1, donc ça doit pas être toi là. Peut être très intéressante. Enfin, ça doit être toi qui reste dedans surtout. Voilà. Dès que. Non, le zombie ne veut pas bouger. Oui, ça arrête pas de roupiller, c'est pas cool. Ok, très bien. Toi, c'est quoi ? Soif étanché. Dans votre donjon. De la bière. Toi surtout. Parce que si ça se trouve, il va pouvoir passer niveau 4 alors que. Je n'ai rien fait. Ce serait magnifique. Ici, les pièges, tout ça, c'est rigolo, mais au final, on s'en sort à peu près sans. Les couillots, c'était quoi ? Ah oui, c'était les portes. Ouais, qui se téléportent, sauf bon, ils doivent transporter quelque chose. On s'en fiche. Oui, retournez plus vite au boulot. Oui, si vous régénérez avec toute votre vie, ça m'arrangerait. Deux parchemins par pupitre, ce serait sympa. Le Balrog. Oui, ça peut être cool, mais... Et un Balrog. Balrog, ça veut dire qu'il me faut un endroit pour le faire respawner.
J'en ai marre des calembours à deux balles, Rogues. Titan démoniaque d'attaque susceptible de causer des dégâts extrêmes possède la compétence anneau de feu. Je peux en avoir un. Mais est-ce que je peux en prendre un autre? V. Si je trouve mes boutons, c'est mieux. Il me faut 1000, mais théoriquement... Théoriquement, ça passe. Hein. La victoire. Il y en a une trop tôt et l'autre trop tard. Un magnifique tir, récompensé par des hurlements et des os qui craquent. Excellent. Non, une qui était à peu près correcte et l'autre trop tard, bien sûr. Attendre. Une des armureries. Allez, détruisez-le. Je veux dire, capturez-la. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Boum! Les catapultes avaient envoyé leur cargaison mortelle dans le ciel. Un magnifique tir. Ah, c'est celui-là le premier que j'ai tiré, quoi. Et des os qui craquent. Excellent. Les créatures du mal avaient repéré une puissante patrouille de sérénité. D'ailleurs, elle a plus deux personnalités. C'est un oiseau, c'est un avion. Non, c'est un tir mortel de catapulte. À chaque fois, j'arrive trop tard sur le mal. L'arme avait capturé l'armurerie de l'Ouest et s'était emparé d'une catapulte. Le mal avait maintenant capturé les trois catapultes. Elle serait idéale pour réduire Sérénité en tout petits morceaux. Que les jeux commencent. C'est comme ça qu'on fait. Ouvrez le feu. Déchaînez l'enfer. Pas de prisonniers. Allez, ça devrait bientôt se finir, ça. Attaquer mon cœur de donjon quand je suis en expédition dans les hauts. Ils se prennent pour qui, là? Ah, effectivement, en avoir une tout le temps ici, ça permet de faire avancer le travail. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer?
Donc oui, faire des pièges, tout ça, mais... J'ai la flemme de le faire, en fait, ce piège. Je pourrais faire ça, comme ça, ils vont boire leur propre bière, ils vont être contents. C'est un peu grand. C'est pas grave. Quoique... Ça ira bien. Alors... Ils sont en train de me refaire un peu de manas. Pas forcément hyper utile. Elle est où la deuxième succube ? Ah oui, ici il faut augmenter au maximum. Alors l'armure des pots de fer est verrouillée une fois que l'intéressé est en place, ce qui augmente la valeur d'armure de 20. Pour les douches en revanche, vous pouvez repasser. La destruction d'un mechabot cause une décharge électrique explosive. Boum. C'était ça aussi. Non, de toute façon j'ai plus de... Ok. Ok, j'ai déjà tout récupéré ici. Ok. Voilà. On va attendre quand même jusqu'au bout. Une salle qui travaille à 20% là, même pas. Est-ce que... Alors je peux le mettre là. Je peux le mettre là. Je... Ah c'est insuffisant. J'ai pas d'or, c'est super. Catapultes avaient envoyé leur cargaison mortelle dans le ciel. Le tir de catapulte écrabouilla les défenseurs de sérénité avec un jus. On va se mettre ici. Façon ici au sol. Faut qu'on se mette par là, faut qu'on se mette par là. Pour avoir notre portail à portée de tout. On attend juste. Ah, c'est bon, on attend juste d'avoir les catapultes et on y va. J'ai oublié un peu qu'on pouvait améliorer les dégâts comme ça. Apporter plus, c'est rigolo, mais ça va aller. Ah oui, là c'est pour avoir d'autres sorts. Création d'un nom. Ah, ça c'est pas mal. Création de boîte à outils, ça aurait pu être pas mal aussi. Mais bon, j'en suis pas là. Juste essayer de mettre plus de pièges tant que. Tant que j'y suis, quoi. Tant que j'y pense. Même s'ils auront peu de chance d'avoir le temps de se créer. Tac.
J'ai plus de sous. Tire de catapulte, vole et emporte la victoire. J'aurais peut-être pas dû en faire deux. On verra de toute façon. Touché, si. Couler, ce tir de catapulte va laisser sa marque. Comme une crêpe, succès, du coup c'était bien tué 50 héros par bombardement de catapulte dans la mission arme de jet arbalète fixe. L'autre succès secondaire, je ne l'aurais pas. C'était 30 minutes pour séjour de paix. Pour capturer les trois trucs, je crois. Alors c'est quoi ça? Oh, Balrog. Je détruirai cette terre. C'est un oiseau, c'est un avion. C'est peut-être un peu recréé, oh, ça. C'est un tir mortel de catapulte. De toute façon, le temps qu'elle arrive. Le tir de catapulte écrabouilla les défenseurs de sérénité avec un chute. Ici, ça sera plus efficace déjà. La défense de Sérénité était décimée. L'armée n'était plus que l'ombre d'elle-même. Incroyable ce qu'un petit tir de catapulte peut accomplir. Très bien. Nous n'aurons jamais de meilleure occasion pour attaquer. Suivez-moi, créature du mal. Pour moi, je veux dire, pour le mal tout puissant. Découpez-les, pillez, brûlez, chatouillez-les. Je crois que je suis quand même crevé là. Je suis la reine du mal. Ils ont déjà eu le temps de se régénérer, c'est très bien. Hop. Et normalement, voilà. Sérénité avait été rasée. L'armée du mal avait vraiment fait du bon boulot. Mal dora un instant son ancien. J'ai pas de naga. Avant de hausser les épaules, il en trouverait bien un autre. Talia ordonna à son armée de marcher au nord, vers la côte. Pourquoi? Eh bien, nous ne voulons pas le dévoiler tout de suite. Exactement. Ne nous arrêtons pas. Allez! Qu'est-il arrivé à ton bon côté? Parfois, aucune idée. Bonne question. Mais ça fait du bien quand ça s'arrête, non? C'est pas faux. Bon. Et l'armée du mal s'éloigna. Et voilà, mission accomplie. Forcément, j'ai pas gardé le temps, et on peut pas contrôler ce scrolling bien pourri. Voilà. Je me demande si je vous le laisse ou pas, jusqu'au bout. Je vais quand même le laisser, comme ça, si jamais quelqu'un est intéressé par ma performance... j'ai envie de dire un peu lente, hein. Je crois que je suis pas forcément le plus rapide à faire ça, mais j'ai réussi du premier coup en infernal, donc c'est mon objectif à chaque fois, faire à peu près du premier coup en infernal. Moi j'oublie pas de faire quelques gifles par minute aussi, souvent je vois que le monde est à zéro.
La salle de garde, je l'utilise pas, par exemple, aussi. Et voilà. Je crois que c'est tout. Ah bah si, 1h26, le temps est là. Et par rapport aux gens, je suis à peine plus lent, en fait. Hein. J'ai tué plus d'ennemis, ça compte de plus, quand même. Bref. On va regarder la petite cinématique de quand le terrain se détruit. C'était quoi le problème du mal avec les bateaux? Pourquoi les détruisait-il toujours au lieu de les conserver pour les utiliser plus tard? Les armées du mal avaient gagné les côtes, avec comme objectif les villes presque franches. Mais bien entendu, elles n'avaient plus de bateaux. Par chance, la ville portuaire d'Hivernais n'était pas bien loin. Et il y avait un allié dans le secteur. Bref, ce sera pour une autre fois cette mission. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à me commenter oui, non, qu'est-ce que je pourrais essayer de faire de mieux si j'ai oublié de faire quelque chose dans la mission, faire un truc rigolo. Et je vous dis à la prochaine. Bye.